les femmes, pour les charmes. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir qui me passe un moment avec vous. Zordi, nous à Cupip, Mona à la rencontre, mot l'invité du jour. Alors, nous vous causons plaisir à faire aujourd'hui d'abord son métier, les social worker, mais les aussi entrepreneur à temps partiel. Mais comment les faire pour allier travail de tous les jours, passion, amour pour son travail? Ben, nous vous connaissons dans quelques minutes. Son nom, c'est Joshika Fa. Joshika, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Surtout, nous avons pour causer un sujet parmi qui m'a demandé content, les sacs à main. Ah oui. Donc, nous pour causer un petit peu plus tard parce qu'ils confectionnent un sac à main. Exactement. D'accord. Donc, de plus en plus, nous connaissons, nous, madame, nous content, nous, à la case, remplir sac à main des chaussures et des bijoux. Exact. Donc, l'inspiration, tout ça, côté de Vini, comment vous faites, nous pour causer un petit peu plus tard, parce qu'il y en a aussi au full-time job qui nous capable d'aller dans le social aussi. Ça, c'est un travail de tous les jours, donc exceptionnellement, on gagne 6 jours de congé aujourd'hui, parce qu'il a un baissier de Vincoutou. Alors, la couture, nous cause la couture. Quand Dimoun, vous pensez que c'est un talent qui déjà là, est inné, ça, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, la couture, ça a débuté, j'ai dit à maman couturière. Donc, on grandit avec... sa notion de la couture. Voilà. Dès le suivre canal, comment dire. Exactement, exactement. Donc, je n'ai pas eu à apprendre à coudre. Oui. C'était déjà ça là. Ça faisait partie de notre quotidien. Exactement. Donc, la couture est venue... Et maman, tu étais couturière de vêtements ou... Oui, de vêtements. Voilà. Et aussi, maman fait un petit peu crochet. Mm-hmm. Donc, un petit peu de tout. Oui. Côté artisanat, maman fait un petit peu de tout. Donc, à ce moment-là, il n'est pas difficile pour m'intégrer comme si... Parce que dans la famille, c'est déjà ça. Donc, ce n'était pas comme on dit, un port fausse que tu faisais un concours ou tout, quoi que ce soit. Tout, non, du tout, du tout. Dès très jeune âge, on apprend à faire le crochet, apprendre à coudre. Donc, la machine était déjà là. Donc, un petit pratique. Et voilà, mon vie de sécurité aujourd'hui. D'accord. Alors, qui est Joshika à part cette partie entrepreneur? Alors, Joshika travaille. Joshika est maman de deux bébés. Mm-hmm. Joshika fait travail plutôt pour le social. D'accord. Donc, le côté travail, nous pouvons causer un petit peu. Mais comment, avant qu'il nous aille vraiment dans le vif du sujet des choses, qu'il nous développe, comment on fait pour allier au travail de tous les jours et cette passion? Parce que cette passion-là, il demande beaucoup de temps. Ah, beaucoup oui. de travail, beaucoup Extrême. De réflexion, de recherche aussi. Parce que nous, madame, nous difficile. Nous comptons la perfection. Exactement. Donc, comment gérer les temps-là? Il est assez compliqué, mm-hmm. je n'ai pas caché. Vu que je travaille déjà, mais l'avantage qui m'a bien dit, c'est que nous avons un shift system qui fait qu'il m'a réussi à se ranger comme si pour associer pour les pour allier voilà. les différents rôles. Voilà, exactement. Et aussi, moi, j'ai mon côté de maman qui prend beaucoup de temps. Certainement. Oui, mais à ce moment-là, disons, si je peux faire morning shift, c'est le truc de tantôt quand vous venez, vous occuper un petit peu. Si et le night shift est à quelle heure? Le night shift, c'est 6 heures à 7 heures du matin. Ah, d'accord. Ouais. Full night. Full night. D'accord. Mais à ce moment-là, nous gagnons la journée qui nous libre aussi. Au capable. Voilà. Pour qu'on concentre un petit peu plus. Mm-hmm. Mais moi, plutôt, côté recherche, c'est plutôt la nuit. OK. La nuit, bizarre. Trappe téléphone, la gagne, c'est l'inspiration. Voilà, trappe téléphone, la gagne, c'est l'inspiration. des fois, bizarre, lève l'idée, comment dire, pour aller mettre des affaires en pratique, parce qu'il est là, tellement là. Qui n'est pas capable de laisser dormir comme si moi déjà levé, mon petit minuit approximativement, couper, monter et après réal dormir, les larmes de l'esprit comme un peu tranquille. Oui. La tête là, pas capable de travailler, travailler, travailler. Voilà, donc voilà. Ça c'était en partie la vie de Joshika. Joshika, pardon, c'est un prénom très rare et très beau. Donc en grosso modo, c'est qu'il y fait, mais nous pour développer dans quelques minutes juste après ceci. Alors là, une cause shift system, donc nous pouvons aller en grosso modo ou faire du social avec un adolescent. Exactement. Qui n'a certaines difficultés, Exactement. Quelques petits soucis à s'intégrer dans la société. Alors, comment est-ce qu'il nous retrouve où dans ce monde-là? Donc, ça débute au fait qu'on termine l'école. L'hypatie est un monde nouveau pour moi. D'accord. Le fait qu'il me rentre dans une société, que je travaille après l'école, après collège.
qui nous dit déjà peut aller à la rencontre des enfants défavorisés, comme on va nous dire, ben, des enfants qui ont des difficultés et tout. Donc là, comme on dit, on connaît un petit peu que Ça monte là dans la comment société, oui. combien de problèmes il y a, combien de problèmes les enfants peuvent faire face. Et donc, comme on a appelé pour le poste que je travaille, donc c'était déjà connu comme si. Ou Quoi c'est que tu déjà dis. une notion de ce que Voilà, c'était. exactement. Exactement. C'est déjà la notion qui était là. Moi, je connais avec qui mon père a dit exactement. Ben après, étant donné qu'on rentre dans le bain, ben on nage. On nage. On nage, tout simplement. Je n'ai pas à dire que c'est facile. C'est pas tous les jours évident, mais quand même, on fait avec. Alors là, puisqu'on parle de la jeunesse, bon, nous allons parler des enfants, donc souvent nous dire, c'est général, hein, l'éducation, nous recevons les de la maison, mais malheureusement, certains enfants, certains jeunes peinent à l'encadrement-là, et malheureusement, nous gagnons ben problèmes de société, autres fait des affaires qui pas bien, mais ou bien placés pour nous, donc c'est pas forcément de leur faute, Ah oui. non. Ah oui. C'est facile de juger. Très facile de juger, mais en travaillant avec ces enfants, nous trouvons qu'ils ont un background extrêmement Donc, difficile. ils n'ont connu que ça dans la vie, Voilà, n'est-ce voilà, pas? voilà. Ils n'ont pas mal d'enfants qui nous sont capables, ils autres qui vous disent, ils autres pas ici, ils autres pas là-bas, aïe, ces enfants-là, mauvais. Non, quelque part, si ils autres comme ça, c'est qu'il y a une dure réalité qui peut derrière eux. Une dure réalité, comme on dit, dure, c'est que des fois, ben, du monde dans la société pas réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment dans la société. Pour qu'ils, des fois, nous disent aux enfants comme ça, aïe, ça n'a dans la drogue. Aïe, ça n'a pas fait pour ici, Mais ça n'a pas fait pour pourquoi? là-bas. Mais le pourquoi? Le pourquoi, c'est vraiment grand, c'est vraiment vaste, le pourquoi, et c'est vraiment chagrinant. Et là, on dit des affaires importantes, on dit, vous ne pas connaître qu'est-ce qui se passe dans la société. Mais qu'est-ce qui se passe dans la société? Donc, Quand on a le behind the scene, comment nous dire? voilà. Au fait, il y a un problème plutôt, moi, mon cas, il y a un problème générationnel. Donc, quelquefois, nous avons des enfants qui se passaient déjà difficiles à cause des parents. Oui. Nous pas qu'à blâmer les parents là, parce qu'ils blâment les parents là, même les autres parents aussi, c'est comme ça. C'est ça. Donc, les Donc, suivent, les les vignes. transmettre de Voilà, génération en les transmettent de génération. Donc, génération ils en connaissent juste génération. ce monde-là, en fait. Voilà, je dis qu'on dit ça, monde là, et pour eux, le monde est bon. Oui. C'est comme ça que la vie est déroulée. Et pour eux, c'est autre normal. Exactement, c'est la C'est autre normalité des parfait qui est choses comme qui n'est ça. pas Oui. normale, quelque part. Si nous pouvons être une vision des choses, nous Ce pouvons n'est dire que pas ce n'est pas normal. Mais normal. ils n'ont connu que ça. Voilà, voilà. Donc, c'est pas à juger, c'est pas à blâmer, comme je dis. D'accord. Voilà. Et des affaires qui sortent si souvent dans la bouche de tout le monde, des Mauriciens, des gens en général à travers le monde, ben, la jeunesse pas écoutée. Mais cette jeunesse-là, est-ce qu'il est conscient qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a envie de changer? Il se donne les moyens de changer? Ah oui, ils ont beaucoup de moyens de Oui. changer, mais par contre, il y a une question de volonté aussi C'est ça. derrière. La volonté derrière, et il y a un autre gros problème, c'est que nous, quand on travaille avec ça par les enfants, là, mais quand je te retourne dans cet environnement, C'est ça je aussi. te retourne, Voilà. côté la Ils sont société. choyés là où ils sont avec Voilà. des personnes comme vous qui les aident au quotidien. Voilà. Mais une fois qu'ils quittent cet endroit, donc vous êtes réel côté d'autres parce qu'ils êtes bizarres. Voilà, Et c'est ça exactement. aussi, c'est Exactement. l'environnement qui joue un rôle. Exactement. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer l'environnement, ce qui n'est pas forcément évident. Donc dans Voilà. ce cas-là, peut-être éduquer aussi les parents, l'entourage? Oui. Peut-être bien, besoin rééduquer les parents, refaire le tout au fait. Au fait, nous causons l'école des parents, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de causer l'école des grands-parents aussi? Aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, peut-être maman, papa, ils quittent, ils allaient, mais ils vivent avec les grands-parents. Donc c'est eux, le rôle modèle, comment nous dire, Bien qui est sûr. bizarre pour l'enfant à ce moment-là. Et où, en tant que femme, ou certaine qui s'inforge aussi le caractère, parce que c'est différents personnages, différents caractères, comment vous faites pour gérer ce quotidien? Au fait, c'est pas difficile. C'est que, premier d'abord, nous vous avez donné la tête que ce sont des enfants, malgré Oui. comment ils sont. Et vous gérez plutôt les filles ou les garçons? Les filles. Les filles. Ouais, les D'accord. filles. Mais les filles, c'est plutôt côté sentimental, plus beaucoup, qui Bien prend le sûr. dessus. Oui. Mais quand même, Elles sont ça, plus je sensibles que les fais garçons, on est beaucoup capable de dire, plus, oui. beaucoup plus. Vous exprimez vous plutôt Plus sur le côté facilement? de émotionnel. Oui. À ce moment-là, comme un petit fils, hein, un petit peu plus sensible, un petit peu plus. Elle s'est fait Plus banane ouverte dans aussi eux. pour... Quelque part, un petit Oui. peu plus ouverte, le fait qu'ils soient avec madame aussi, comment dire, je tenais à sa relation. Et nous avons bien une relation de fille-mère, même, bien dire, les conseils et tout, que nous la pour donner eux, nous la Bien pour sûr. comprendre eux. Nous cause beaucoup Voilà. sur la jeunesse La d'aujourd'hui, la jeunesse, l'avenir voilà, l'avenir de demain qu'on a dit en créole. Mais qui au regard dans sa jeunesse d'aujourd'hui?
Donc, jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup de talents. Mm-hmm. Beaucoup de talents cachés surtout. Et il y a une jeune qui vraiment, ils ont envie de faire quelque chose de toute la vie. Ils ont envie d'arriver et tout, mais la chance est donnée à tout le monde. C'est ce qu'ils ont besoin de connaître, qui appelle la limite. Oui. Qui besoin faire, qui pas besoin qui faire dans la faire. Vie. Donc, qui chemin ou besoin prend ou besoin emprunter. Dans le monde, nous cause de la jeunesse d'aujourd'hui, nous cause de l'avenir. Et souvent, on nous dit à bonnes affaires qui n'est pas forcément positif, nous dire vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, à part, voilà, on nous a dit au départ, changer l'éducation, le mindset déjà des grands-parents, des parents, vini, vini même. Mais qui, où on a un regard différent de sa jeunesse-là, parce qu'on est capable de former de fond, comment nous dire. Oui. Donc, le regard n'est pas. Bien sûr, moi, j'ai un bon regard sur la jeunesse d'aujourd'hui. Le fait que, ben, jeune, ils ont beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Je dis bien connaît qui ont limites, vers qui chemin ils ont besoin de tourner, qui ont besoin de faire vraiment dans la vie, qui la vie peut demander, qui la société peut demander. C'est tout simplement ça, avoir des limites. D'accord. Voilà. Et bien sûr, parce qu'on fait tous des erreurs, la vie ne nous pas nous livrer avec un mode d'emploi. Donc, et quand cette jeunesse, quand je peux prendre un chemin qui n'est pas bizarre, ben voilà, c'est une erreur, on peut recommencer. Exactement, exactement, on recommence, mais à ne pas recommettre, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas appelé erreur. Voilà, la première fois, c'est une erreur, voilà. Là, pas la deuxième voilà. fois. Mais pas la deuxième fois, la deuxième fois, c'est parce que si on passe dans une difficulté... Ou qu'on n'est pas bon. Voilà, ou qu'on est déjà pas bon, mais on paraît goutte-lit. C'est comme ça, ou bien qu'on fait le choix dans la vie. Mais est-ce que travailler avec toutes ces personnes... à contribuer à forger votre caractère, Jessica? Beaucoup. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a beaucoup appris aussi pour savoir que la société ne pas trouve tout beau, tout rose comme ça. Voilà, parce que vous donnez beaucoup, mais je suis certaine que vous en recevez tout autant, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup. Ces jeunes filles vous apportent beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Oui. Et surtout, beaucoup d'histoires, beaucoup de rires. Oui, beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs, ouais, beaucoup, beaucoup de pleurs à voir qu'elles sont malheureuses malgré tout, elles sont chagrines, il y a des petites affaires qui dérangent, qu'ils ne sont pas si contents qu'ils ont la vie comme ça quelque part, mais c'est comme ça. Mais n'empêche que nous conseiller, nous dire que tu es capable de changer de la vie, ce n'est pas nécessairement à cause de la vie là que tu la vie reste comme ça. Bien sûr. Il faut le vouloir. Voilà, on se donne les moyens de réussir et aussi de bonnes personnes sur la route pour que vous réussissiez. Alors, notre parcours au métier, là, nous revenons aux passions, qui est aussi un métier, un part-time job. Donc, cette continuité dans la couture. Donc, on raconte au début avec maman. Et après, comment est-ce qu'on retombe dans sa marmite, là? On décide pour en faire un métier, si vous êtes capable d'y aller. Oui, c'est plutôt passion envers métier. Oui, deuxième métier. Mais plutôt, ça a commencé, mon commencement. Ça a commencé lorsque j'étais à l'école, j'avais 13 ans. Mon premier sac à 12 ou 13 ans. Donc, là, moi, tu fais design à l'époque. Mon professeur de design, il dit comme ça, ben, nous devons créer un logo. Et je te mets là, n'importe quoi qu'ils ont envie. Donc, moi, j'ai un camarade de classe qui met le t-shirt, il met le tasse, etc., etc. Moi, à ce moment-là, je pensais, ben, moi, mettre mon logo dans un sac. Ah oui? Oui. Un tabac. Au plus tôt, c'était un sac facteur à l'époque. Non, un sac facteur. Ah, en bandoulière, là? Ouais, exactement, oui, exactement, en bandoulière. Donc, c'est vrai, moi, de mettre mon logo là, ça, c'était mon premier. C'était en kaki, me rappelle bien. Et là, à ce moment-là, mon conseil, mon école, pareil, mon pan de fer, rien sans de plus. Sans penser qu'il a voilà, couture pour voilà, faire partie au quotidien. Sans penser. Au contraire, moi, c'était plutôt un petit peu crochet. À l'époque, tu n'as pas un petit potable. Donc, elle est là, un petit peu fait un petit pour au téléphone. Comme je crois si. Qu'on a tous connu ça. Voilà, en crochet. Et après ça, les temps, moi, quitte l'école, mon travail dans une centre d'artisanat. Là-bas, ben, moi, j'exploite un petit peu plus à ce moment-là, côté artistique, qui, moi, je fais là et design à l'école sans savoir comment dire que ça, amène-moi. Ben, là, moi, je commence à faire ben ça, comme ça, moi, je fais ben ça. Sans plus. Sans plus, pour mes collègues, pour la famille, même, un petit anniversaire. Pour ma cousine, un petit cadeau. Ouais, exactement, un petit cadeau. Moi, je fais ça comme ça, et là, moi, je rencontre Sémélie Cuir, matière qui m'oblige contre le travail. Donc là, on commence à créer. Mais ça n'a pas plus que ça. On discrète ben ça comme ça. Et après, plus aller comme si, sans savoir le pourquoi et le comment, je me retrouve, je peux faire ben ça. Comment dire, tigui, 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 changer pour moi-même. C'était pour moi-même, écrit. Voilà, voilà, voilà.
Et sans suivre les cours, que je précise, sans aucun cours, sans en nier. Donc là, c'est un talent. Crée, voilà, c'est un talent et aussi c'est un don qui m'estimait. Et mon continue, malgré le travail et tout, là, là mon travail full-time, et mon continue fait ben ça, qu'à ce moment-là, pour mon collègue. Comme ça. D'accord. Et là, quand nous cause de sacs, pourquoi les sacs? Parce que c'était plus facile, tu as créé mille et une choses. Mais pourquoi les sacs? C'est un amour inconditionnel pour les sacs. Voilà. Ouais, c'est un amour inconditionnel. C'est ce que je voulais savoir. Ouais, exactement. C'est un grand amour pour les sacs. Vous en avez combien, personnellement? Personnellement, moi, j'ai un l'homme. Ah, ouf, d'accord. Ouais, mais il y en a beaucoup là, c'est qui m'ont retiré, m'ont donné un cadeau. Ok. Ouais. Mais sinon... Donc, c'est jamais un sac de foie, alors, hein? Non. Ça coule à l'aise, vous avez un sac? Non, pas non. Vraiment, pas vraiment. Moi, fait un sac, comment dire? Ou un sac fétiche ou sac préféré? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Moi, j'ai un sac fétiche. Le fait que vous connaissez dans un sac, où risque faire, où risque créer. Donc, tout modèle qui vous fait, autre joli. Mm-hmm. Et où on vigore, comment dire? Oui. Tout nouveau modèle, c'est toujours plus beau. N'est-ce comme pas. Si, vous pouvez dire, ou est-ce que vous faites ce sac-là, ou bien content, même des fois, vous me dites, et tu me fais ça là, mais après, ouais. Ben, oui. C'est comme ça. Mais pour modèle fétiche, vraiment, pas vraiment. Non. Ouais, pas vraiment. D'accord. Et là, nous cause de la création. C'est comme la technologie, la vie, l'évoluer tout le temps, l'évoluer tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il y a un sac classique, mais il y a aussi l'évolution. Donc, oui. Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Enfin, tout, besoin de dire l'eau la main, parce que nous, on a Internet, nous, on a tout ça, on a fait là maintenant, c'est pas difficile à rechercher. Mais quand même, malgré qu'ils me recherchent un modèle, je suis bien content. Des fois, je trouve un modèle intéressant, mais c'est vraiment content, ça touche personnel qui m'a amené là. Pour changer la cadence, comme si, pour ne pas, comment nous dire, faire duplicate. Mm-hmm. Moi, par contre, ça coller copier. On peut marcher dans le chemin, moi, tu le dis, moi, il y a le même sac que moi. Oui, exactement. Ça, vous connaissez, madame, nous, pas content ça. Voilà. Moi, content ça, c'est touche de personnalité qui comment dire, moi, apporter de plus dans le modèle, le sac. D'accord. Et bien là, puisque vous pouvez ça monde-là, nous, pas encore un petit coup, la maison, l'atelier de Joshika, quand nous trouvons qu'il y a quelques modèles qui sont là, mais aussi nous trouver à l'œuvre et faire quelque chose pour nous dans son machine à coudre. Avec ce machine à coudre. Là, je peux faire un sac à dos. Je peux faire ce poche-là qui est associé avec ce fond. Qui ne peut associer avec le fond du sac. Là maintenant, nous pouvons ajuster ça dedans. Ça c'est ce devant et ça c'est ce derrière le sac. On peut ajuster le fond avec le sac. Alors, ben voilà, le sac terminé. Avec ce manche, comme on disait tout à l'heure là, je peux servir de plusieurs façons, je peux mettre à la selle de ou bien à l'épaule. Alors, moi, mon parcours, cette petite partie de votre vie, mon émerveillé. Surtout, mon récit trouve mon coup de cœur. Alors, parlant de coup de cœur, nous, madame, bien sûr, nous comptons nos sacs à main, nous comptons telle couleur, tel modèle, telle largeur, telle dimension. Alors, vous travaillez essentiellement en ligne. Mais n'empêche, Bandimoun, qui n'a pas venu guetter aussi, qui vous fait? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, je t'ai bienvenue. Mais plus beaucoup m'ont fait les online, comme si m'ont exposé. À ce moment-là, il y a des gens qui disent à moi comme ça, ben, regarde, m'ont fait content, ce modèle-là. Mais moi, je lis telle couleur, moi, je lis telle grandeur. Oui, c'est possible. C'est possible de le faire. Au contraire, je fais tout pour atteindre la satisfaction des clients. Certainement. Bien sûr, maintenant, quand nous causons clients, il y a pareil comme dans le domaine professionnel avec ces jeunes filles. Donc, ben, client aussi, il y a différents caractères. Donc, comment vous faites pour gérer ça et comment vous faites pour satisfaire sa client? Par exemple, moi, je lis un sac bleu là, tout de suite, ou peine à sa bleu là.
Comment on fait ça? Non, mais à ce sans déplaire à la personne. À ce moment-là, me proposer d'autres couleurs que j'ai. Ben, des fois seulement, vraiment, assez compliqué parce que nous dépannons un stock. Des fois, pénaliser en magasin, ou bien des fois, pour dire, oh, ben, vous attendez 2 semaines ou 3 semaines pour gagner. À ce moment-là, moi, je dis à la cliente, ben, si tu les attends, ou si, sinon, ben, te choisir une autre couleur. D'accord. Et là, une cause, la gestion, ben, comment on fait pour la gestion de ce business? Parce qu'il y a bizarrement de matières premières, bizarrement de fourniture, comment nous dire. Donc, comment vous faire, ou commander, ou aller sur place? Moi, sur place, moi, l'acheter, mais à préciser qu'il me recevait beaucoup d'aide familiale. Ça, c'est important. Que ce soit bon-t-il l'équipe derrière? Oui, une bon-t-il l'équipe derrière, que ce soit mon partenaire, que ce soit maman. Comment dire que moi, j'ai besoin des affaires, des fois, je n'ai pas gagné le temps pour l'acheter. Ben, c'est Bandi Mouno qui m'a raconté. Comment dire, pour un petit échantillon, ou bien telle couleur, te finis pour ça, etc. Ben, ça moche. OK. Est-ce qu'il y a un modèle qui revenait souvent, ou bien il y a un one-off aussi? Comment est-ce qu'il fonctionnait? C'est par rapport à la clientèle? Oui, par rapport à la clientèle, mais quand même, ça, il y a un modèle qui allait un petit peu plus que d'autres. Oui, par exemple. Là, pour le moment, c'est le fameux sac à dos noir et doré que beaucoup de femmes, comment dire, sont contentes. Le fait qu'il y ait ou qu'à mettre le dos, ou bien ou capable de mettre à l'époque. Et les passe-partout. Les passe-partout. Donc, les que ce soit avec pratiques. Du classique exactement. Ou avec un streetwear ou avec. Exactement, les passe-partout. Il y a là avec tout, presque besoin d'être tout linge. Donc, ben, madame, un petit peu plus à l'aide, comment dire, je suis content, je suis à sortir. Donc, ça passe. Donc, et là, nous pose ban classique. Oui. Ban modèle classique. Ban modèle classique, donc, Livine Plutelo, et la madame qui compte en plus grand sac, et la madame qui compte en plus petit sac. Je suis capable de faire un modèle, mon exposé qu'il a, qui, madame, elle dit comme ça, ben, écoutez, je suis content de ce modèle-là, mais je suis content des plus grands parce qu'il m'apporte beaucoup, ça fait de travail. Ça, c'est moi, ça. Vous faites partie de cette madame-là, moi. Exactement. Donc, à ce moment-là, madame a pu dire, moi, c'est pas un petit peu plus de poche. Fait sur la manche un petit peu plus long. Donc, c'est possible. C'est possible. Ouais. C'est possible. Donc, nous personnalisons. Donc, vous êtes plastique. Alors, voilà. C'est qui vous proposez. Ça, c'est important. Voilà. Donc, la satisfaction de la clientèle. La satisfaction de la clientèle. Et surtout, moi, recevoir beaucoup de clients. Du genre que moi, gagne beaucoup d'idées à travers mes clients. Et ça fait que des fois, moi-même, moi, pas pense pour faire. Mais mes clients, je finis de dire, moi, vous pensez pas si vous mettez un petit affaire là-dedans. Mais, living pratique à ce moment-là. Des fois, moi, je suis capable d'avoir une vision des choses. Mais au fur et à mesure, vous fréquentez certaines dimoules. Donc, mes clients aussi apportent tout. Oui, beaucoup. Maintenant, nous revenons à au métier principal de tous les jours et à la couture. Combien de temps vous à donner à la couture? La couture, ça prend moins de temps que pour couper un sac là. D'accord. Oui, c'est la préparation avant qui prend énormément de temps. Pour couper un sac, des fois, il prend moi presque une journée. Ah, quand même. Des fois, même plus. Et il y a des fois, je suis capable de couper aussi, obligé de peser. Maintenant, il y a des fois, besoin de quitter un petit peu pour l'occuper, etc., l'occuper des enfants. Et après, nous retourner, quand là, on ressentit ou perdu. Bien sûr, réel penser quand on arrivait. Mais est-ce qu'il est dans l'atelier ou dans le sac tous les jours? Presque tous les jours. Oui. Presque tous les jours, moi dedans. Dépendant de commande aussi. Parce qu'il y en a un jour qui ne m'a pas dedans. Comment dire, un tiré aussi, il est bien pour autant. Pour pouvoir se ressourcer et avoir de nouvelles idées. Voilà. D'accord. Et bien là, pratiquement à la fin de l'émission, donc vous faites partie d'un monde que vous puissiez beaucoup l'encouragement également. Ah oui. Beaucoup. Et Dieu, merci pour la grâce de Dieu, moi Nali. Moi Nali, au contraire, moi, remercier toutes les personnes qui sont derrière moi pour l'encouragement, pour toutes bonnes petites choses qu'ils ont fait, peut-être sans rendre compte que ça aide grandement derrière. Ben voilà. Ouais, ça aide grandement. Ben je vois que tout est dit. Et un message de la fin pour les jeunes et pour les femmes qui nous regardent parce que c'est un magazine essentiellement féminin. Donc, message pour les femmes, c'est qu'ils ont une capacité, ils ont besoin d'envie de faire quelque chose de la main. Tout le monde a un don, mais ils ont besoin de connaître qui ont don et des manes de faire. Et trouver le temps à vous, surtout. Oui, trouver le temps à vous, faire quelque chose qui se content. Oui, d'accord, nous avons l'ouvrage pour nous faire en tant que femme, nous avons enfants pour nous guetter. Mais l'ouvrage n'est fini, ça. L'ouvrage n'est fini. Quand même, nous faire des affaires qui nous content et aussi pour nous distraire nous, de la vie de tous les jours. Parce que moi, quand je me couche, je me dis, je stresse un côté, je me couche, c'est un côté. Comment dire, si je ne me sens pas bien, c'est ma machine à coudre. Donc, c'est ça mon monde, comme si pour échapper. Bien sûr. Et surtout, vous misez sur la qualité. Ah oui. Ah oui. Un client, quand il vient, il me dit, madame, ça classe solide. Ben, moi, je dis, madame, servi.
après 5 ans qui ont prévu la CNSA comme. Ah ben c'est super. Mais c'est nous c'était les mines avant quand même. Mais nous c'était enfin, de nouveaux modèles. Nous c'était parce qu'il. Mais 5 ans ça veut dire la qualité, la durabilité. Oui, durabilité. Et il y en a beaucoup qui même ban clients je devine avec envers moi je jamais tu connais mon sac encore bon, mais c'est moi mon fatigué sur Yéli, mon vie, elle le sac. Et vous êtes toujours là. En tout cas, Jessica, merci beaucoup. Merci malgré l'emploi du temps hyper chargé, nous trouvons une petite place pour nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Dépendez qui peut faire côte zot et moi des autres. À très bientôt. Bye bye. Les femmes, vous les charmes.